Bonjour à tous. Voilà, paysage à nouveau qui n'est pas landais. On voit quelques petits massifs derrière, mais en fait c'est le début des Vosges. Je suis en Alsace, dans le Haut-Rhin, du côté pas loin de Mulhouse. Je suis parti sur la plaine là. Bon, il y a beaucoup de vent de nouveau cet après-midi. Enfin là on le voit pas trop, mais vent d'ouest assez défavorable. Bon, il fait pas chaud. Et me revoilà sur mes routes d'entraînement de mon enfance, de ma jeunesse. Voilà. Là derrière, on aperçoit le moulin de Lundberg, moulin tenu par des moines, dans lequel j'allais chercher de la farine pour ma grand-mère. Ça remonte à un moment. Voilà, une petite sortie d'entraînement. Bon, c'est un séjour un peu à l'arrache. Pas prévu, mais c'est comme ça, c'est la vie. Et voilà. Donc je vous emmène avec moi, je vais essayer de faire quelques images. Il y a des petits coins sympas, bon. Là je suis parti sur le plat, je vais rentrer là, par là, des gosses, quelques gosses. Et ça devrait aller. Bon allez, on y va. Voilà, une belle petite voie verte. Là c'est une petite route. C'est un parcours cyclable emprunté par les propriétaires des champs qu'il y a autour. Un chemin d'agriculture en fait. C'est sympa parce que ça permet d'être en dehors des flux de circulation, et ici il y en a un. Parce que là tout à l'heure, oh j'avais du monde. Voilà, donc route très peu plate. On est dans je vais arriver dans le sud-go, très vallonné. Ça ressemble un peu à la Chalosse dans les Landes, avec des petites bosses, des petits murs des fois. C'est sympa, ça rappelle des souvenirs. Allez, on continue. Paysage très agréable. Bon, un peu de vent, ça doit s'entendre dans le micro. Mais ça va, c'est pas énorme. Voilà, petit village de Sungo. Ah, je suis pas loin de Danemarie, donc pas loin du territoire de Belfort, pas loin d'Alkir, comme l'île un peu plus grande. Et je vais pas tarder à bifurquer à droite, longer le canal et puis retour vers les collines. Allez, on continue. Entre les villages. Et voilà. Une écluse
et je vais longer le canal quelques kilomètres. Allez, c'est fini. Je la connaissais déjà. Quelques années, j'étais venu rouler par là. Pareil, dans deux faces. Ici, c'est toujours dans le coup. Là, c'est un vent, je parle nord-ouest. Ouest. Allez, corbeau. Dernier hectomètre le long du canal, je vais tourner à droite et puis je vais revenir vers les collines, traverser l'autoroute, la nationale et passer de l'autre côté. Voilà, et revenir par le boss. Fini la rigolade. Allez, à tout à l'heure. Trop sympa. Voilà, je découvre pas, je connais un peu tous ces coins là. La plaine jolie. Ça doit être Dalmarie là-bas, je pense. Allez, petite bosse. Petit étang là, partout des étangs ici. Étang privé. Bon, ça va, 4%, 6, 7. Vite. Je suis arrivé au sommet. Ça va? Casse quand même parce que les locaux ils viennent en voiture quand même. Voilà. Sommet de la bosse. Allez. Allez, nouvelle petite bosse. 7-8% de nouveau. Ça navigue. 6, 7, 8. Allez, on est au sommet. Avec une belle vue là. Percevoir le grand ballon là-bas, le pic qu'il y a, enfin le pic, le mont le plus haut à droite, par là. Il me semble que c'est l'observatoire du grand ballon. Le ballon d'Alsace, il est à gauche. Bon, c'est au bord de Saint-Malo, pour y revenir. Il n'y aura pas de grand col. Il y aura des bosses, mais pas de grand col. Voilà, ça n'a rien à voir avec un biking man ou les Race Across France et compagnie. Parce que là c'est plus montagneux. Voilà, la préparation continue. La
l'écureuil s'approche. Hein. 16 mai. On y est bientôt, ça va arriver vite. Bon, et ben il est 15h30. Avec mes lunettes de soleil, j'ai l'impression qu'il fait nuit. Mais non, je pense pas. Voilà. Territoire de Belfort qui est par là, Belfort, derrière. La forêt noire là-bas. Et les Vosges derrière moi, on les voit pas. Voilà, petit arrêt casse-croûte. Là, il y a l'autoroute, la Franc-Comtoise. La 36. Toujours du monde sur cette autoroute. Pourtant, elle n'est pas gratuite. Hein. J'ai appuyé de nouveau. Voilà, ben encore une petite heure de vélo. Ça veut dire que 16h30, allez 17h. Normalement, le circuit faisait 80 bornes. Ça devrait être le cas. Un peu plus de 3 heures. Ouais, ça va être ça, hein. 3h30. Allez, une heure de vélo. Quelques bosses encore. Pas longue, mais raide. Et en fin de parcours, ça fait mal. Mais bon, c'est comme ça. Allez, on va continuer. Je finis ma barre et je continue. En fait, non, c'était la côte de Seuple Haut. En asphalte, c'est après. Il me semblait bien qu'elle était un peu courte et pas très pentue. En asphalte, c'est un peu plus raide et un peu plus long. Je me disais, oh, ben, je suis encore en forme là. Ah, ben non. Il y en a encore une. Encore une. Ah, ça fait rien. C'est pour le fun. On aime ça. Et quand on aime ça, on compte pas. On compte plus. Allez. La gare de Saint-Time. Terminus du petit train de la Dorée. Petit train touristique qui fonctionne l'été. Allez, on est bientôt arrivé. La voilà, la fameuse côte, le Ramersmat. Ah, c'est un peu différent quand même de tout à l'heure. Ah, c'est une belle côte. Bon, rapporteur, pourcentage moyen doit être à, je pense, 4,5, un peu comme ça. Mais il y a des passages assez raides. Après, il y a aussi des faux plats. Des petits replats. Comme là, normalement, j'arrive sur
petit replat. Et après, voilà, ça tourne à gauche et ça se cabre. Bah bon, le sommet il est juste derrière là-bas, donc ça va. On va y aller tranquille, hein. En gestion, apprendre à gérer son effort. Voilà, on va tourner là et le sommet il est là-bas. Allez, allez, on y est. Ah, c'est quand même 7-8%. 3,5 km. Ah, mais max. Ça, c'est fait. Dernière montée, un petit raidard de 900 mètres et puis je suis arrivé. Bon, descente pas très technique, encore que il y a quelques lacets à la fin, c'est un peu humide, donc on fait attention quoi, comme d'hab. C'est vrai qu'il y avait une petite remontée. Je l'avais oublié ça. Petit répétio. Et ça redescend. Ma dernière grimpette. Elle est belle la vue. Les vignobles, ceux d'en face, les célèbres vignobles du Rangen. Le vin blanc qui est récolté en rappel. Tellement la pente raide en face là-bas derrière l'usine. Bon, là c'est une belle petite sortie. Alors finalement, bah ouais, je suis à 80 km. Je dois avoir environ 700 mètres de dénivelé. Bon, c'est pas énorme. Les petites ascensions, mais cumulé ça fait. Voilà, panne. Allez, je suis arrivé dans 500 mètres. Et là, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Peut-être en cours sur les séjours, là, je sais pas, on verra. Allez, ciao.